que c'est pour toi l'ENSIP? Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir au domicile des patients, que j'imaginais très réactive et intervenant un petit peu dans l'urgence, mais qui finalement ne se résume pas qu'à ça. C'est comme une routine institutionnelle un petit peu, elle se met là où d'autres ne peuvent pas aller. Le NCIS de la psychiatrie de Grasse. C'est une structure qui permet à des patients d'être suivis à domicile par des infirmiers et des psychiatres sans forcément passer par hospitalisation. C'est une route de secours. Alors l'ENSIP intervient sur un autre temps de la maladie. L'ENSIP c'est un tremplin et le CMP les attrape. Et après faire un relais avec le CMP. Et je pense que là, il y a une difficulté. C'est justement quand il faut faire ce relais avec le CMP, où ça pose des problèmes d'articulation, et à quel moment le faire, et les modalités un petit peu. Voilà. Un dernier rempart avant l'hospital. Pour moi, ça serait recontextualiser le problème du malade dans son système familial. C'est travailler avec l'entourage, l'utiliser comme personne ressource. Suite à une hospitalisation, peut-être un peu raccourcie, leur permettre d'être suivis de façon un peu plus intensive.